Et toi, Ruby, est-ce que tu as déjà été amoureuse? On rappelle que tu n'as que 20 ans, mais bon, quand même. Bah écoute, pour être honnête, j'ai jamais vraiment été amoureuse. C'est horrible, hein. Je sais. Pourquoi? Mais non, si, je me suis dit, j'ai déjà kiffé, genre, je te dis la vérité, j'ai déjà kiffé, mais je suis pas tombée sur quelqu'un de. Pas encore. Mais après, pour l'instant, je me prends pas trop la tête là-dessus, tu vois. Mais t'as jamais ressenti, tu sais, les fameux papillons dans le ventre quand tu vois quelqu'un et puis... Non. Alors faut quoi toi pour te faire tomber amoureuse? Je sais pas. Honnêtement, bah comme je t'ai dit, moi, il faut juste que, ouais, peut-être quelqu'un de bien, tu vois, qui me mérite. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense pas pouvoir attirer beaucoup de mecs avec mon image trash que j'ai. Mais après, voilà, moi, je m'en fous parce que dans tous les cas, ça fait pas. Pour moi, c'est une étape chaque. Je brûle pas les étapes et pour l'instant, moi, j'en ai complètement rien à foutre. Et pourquoi pas plus tard, oui, après chaque chose en son temps, en fait. T'as des mecs qui te draguent, qui t'envoient des messages en DM, qui t'envoient des photos. Oui, mais après, voilà, dans ce milieu-là, moi, je suis pas là pour me faire des amis, pour me mettre en couple. Surtout quand c'est un milieu, voilà, où les gens peuvent te nuire à tout moment. Enfin, c'est pas vraiment un milieu à laquelle tu peux te faire des amis, pour être honnête. Moi, mes seuls amis, c'est vraiment des gens que je connais avant d'être Rubine Cara, du coup. Et du coup, c'est eux, j'ai confiance à 100% parce que je sais qu'ils sont pas là pour ma notoriété. Or que franchement, depuis que je suis rentrée dans ce game, je rencontre que des gens qui sont là, qui veulent gratter des pubs, qui sont là, qui veulent de la notoriété, qui grattent, qui grattent, qui grattent, ou qui. Enfin voilà, qui sont là, qui veulent que du buzz en fait. Et franchement, dans ce milieu-là, je peux pas me faire des amis, Ouais, honnêtement, mais ni mettre en couple. Oui, après, je reçois bien évidemment beaucoup de DM, mais non, ce que je veux dire, Ruby, c'est que c'est pour moi, c'est des gratteurs, quoi. du Je te dis la fait que souvent vérité. t'enlèves le haut dans les lives, du fait que tu sois Ouais. en soutif-culotte sur les Champs-Élysées, est-ce que des fois tu reçois des petites choses coquines? Est-ce qu'il y a des mecs qui essaient de te serrer, Mais quoi? tout le temps, mais je reçois 36 000 tubs sur Snapchat, c'est du gros n'importe quoi. Là, j'en reçois un peu moins, mais au début, c'est vrai que c'était hardcore. Mais non, mais il y a beaucoup de mecs. D'ailleurs, je ne comprends pas ce phénomène. Je sais pas si tu en as. À mon avis, tu as dû déjà en recevoir. Franchement, je reçois pas de tub Stop! à moi. Ok, très bien. J'ai Non, jamais reçu de tub. moi, j'assume tout, Sam. Mais il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je comprends pas comme si. Genre, je me mets à la place de ces mecs. Et comme si, genre, ça pouvait. Genre, c'est comme si je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, en fait? Pourquoi ils m'envoient ça? Enfin, on dirait que ça va m'exciter. Au contraire, ça ne m'excite absolument pas. Donc, si vous êtes là, ça ne sert à rien de m'envoyer vos tubs. Honnêtement, ça ne sert à rien. Parce que ça ne m'excite pas, je ne ressens rien, aucune sensation, rien du tout, même pas un tout petit pourcentage en fait. Non, non, never, arrêtez ça. Au contraire, c'est repoussant en fait.